Si nous ne prenons pas soin de préserver l'environnement, notre avenir est menacé. Cela commence par économiser l'énergie dans notre propre environnement, notre maison. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Devenir dirigeant d'une agence FCA, c'est participer au développement d'un concept innovant qui consiste à diminuer les déperditions énergétiques d'un bâtiment, répondant ainsi aux attentes des besoins fixés par le Grenelle de l'environnement. En devenant dirigeant d'une agence FCA, vous bénéficiez d'un savoir-faire unique qui, une fois transféré et maîtrisé, permet de vendre et de mettre en place auprès de propriétaires de maisons individuelles des solutions techniques différentes répondant toutes aux mêmes besoins, isoler des parois extérieures telles que murs, fenêtres, toitures, et ce, par le biais d'une seule et même entreprise. PDSA a pour vocation d'accompagner le développement d'une marque existant depuis plus de 20 ans, leader dans le domaine de la rénovation et de l'isolation des façades auprès des particuliers FCA. Notre concept est simple, vendre et appliquer sur un territoire restreint différentes techniques d'isolation de maisons individuelles par une seule entreprise FCA. Nous savons à l'avance s'il y a un besoin ou non, puisque nous voyons la maison sur le terrain. Pourquoi les prochaines décennies vont imposer aux propriétaires de pavillons des dépenses énergétiques maîtrisées? D'une part, parce que le bâtiment est la première source de déperdition avec plus de 40% de dépenses énergétiques. Le bâti, logement principalement, représente en gros 40% des pertes, des éperditions, des gaspillages. D'autre part, c'est le bâtiment qui produit le plus de gaz à effet de serre, 19%. On peut dire que les constructions qui ont entre 40 et 50 ans ne sont pas du tout adaptées aux économies d'énergie, qu'elles sont énergivores. L'objectif est de diviser par 2 les déperditions énergétiques et par 4 les émissions de gaz à effet de serre. 13 400 000 pavillons sont donc concernés. 3 500 000 pavillons construits entre 1950 et 1975 représentent 175 000 chantiers potentiels à traiter. Ce marché est gigantesque. Il est évident qu'il faut procéder à l'isolation des bâtiments et notamment des bâtiments d'habitation. C'est un geste qui est fortement éco-citoyen. C'est donc fort logiquement que FCA, profitant de son expérience réussie dans le domaine de la vente et l'application de ravalement de façades auprès des particuliers, a décidé d'adjoindre à sa gamme l'isolation des combles et la pose de fenêtres isolantes, permettant ainsi à sa clientèle, par le biais d'une seule et unique entreprise, de répondre à plus de 70% des besoins en économie d'énergie. D'une manière générale, agir en priorité sur les murs, les fenêtres et les combles permet de réduire de 70% les déperditions thermiques. Cela aura pour conséquence d'augmenter le montant d'une vente de plus de 60%, d'autant plus facilement que des incitations fiscales favoriseront l'acte d'achat. Il y a une possibilité de développement pour les entreprises qui sauront s'adapter qui est très 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 importante. Aujourd'hui, le secteur de l'amélioration de l'habitat représente 47% du chiffre d'affaires global de la vente directe. Notre concept réside dans une solution rapide et efficace de transfert d'un savoir-faire technique et commercial retranscrit sous forme de guide pratique permettant à tout individu motivé de suivre un schéma de réussite d'entreprise dans les secteurs de l'amélioration thermique de l'habitat. Le commercial doit être aussi technicien et c'est essentiel car il doit apporter la meilleure préconisation technique à son client. Accompagné par le biais de formations théoriques et pratiques pendant quelques mois, un dirigeant FCA au bout d'une année pourra exploiter une société de 10 personnes sur un secteur d'environ 30 km de rayon et générer un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Être dirigeant chez FCA, c'est savoir orchestrer une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Cela fait 2 ans que j'ai ouvert mon agence FCA et à ce jour, je réalise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros. FCA m'a donné cette chance de pouvoir animer une force de vente dans le 92 Nord. Aujourd'hui, j'ai pu créer ma propre enseigne sur le 93 et cela me réussit parfaitement. Ayant une expérience dans le domaine du bâtiment, FCA m'a permis de créer ma propre agence et de développer une équipe dynamique au service du particulier. Notre force réside dans la détention de produits à marque spécifique et dans la parfaite maîtrise de compétences commerciales certifiées. La société FCA est la première qui a obtenu la certification NF Service Vente Directe. Être certifié implique d'accepter d'être audité
contrôlés par un organisme extérieur, indépendant, comme l'est l'association Affaires. Notre force se caractérise par l'expérience entrepreneuriale réussie depuis plus de 20 ans dans le domaine de la vente, de la fourniture et de l'application de procédés destinés à la rénovation de façades auprès des particuliers. Nous assurons la traçabilité de tout le processus métier, de la vente jusqu'à la réception des travaux, en passant par le service après-vente. FCA s'est structuré depuis 2006 autour d'un réseau de 6 concessionnaires, tous implantés en Île-de-France, représentant à ce jour un chiffre d'affaires de plus de 13,5 millions d'euros et une capacité humaine de plus de 100 personnes. Notre force réside dans la parfaite maîtrise d'un savoir-faire commercial, technique, juridique et financier, transférable à toute personne désirant s'investir en totale autonomie dans ce secteur d'activité porteur qui touche directement aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Notre objectif à ce jour est donc de recruter de futurs franchisés sur tout le territoire national et d'accompagner leur réussite dans un domaine d'avenir. Vendre, fournir, financer, produire et garantir différents procédés isolants sous une seule marque, FCA. Depuis qu'on a fait l'isolation par l'extérieur, on ressent un vrai confort au niveau de la chaleur à l'intérieur de la maison. La façade est tout à fait réussie et nous sommes donc totalement satisfaits de ce choix et du travail de FCA. Merci à la société FCA pour la qualité du travail réalisé. Je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait. Nous sommes vraiment satisfaits du travail effectué par FCA dans notre maison. Votre envie d'entreprendre, venez la partager avec nous.